Hola, bonjour! Bonjour, bonjour, bonjour! Bienvenue! Bienvenue sur le live des Mix! Ouais! Welcome, welcome! Installez-vous, installez-vous! On est parti, on est chaud aujourd'hui, on va faire de la petite création vidéo ludique. Ouais, créer les nouveaux grades sur MXS. Je devais les faire en off et je me dis pourquoi pas les faire avec vous directement. Ouais, je suis habillé à la rage, j'ai un vieux t-shirt tout pourri. Parce que je vais pas faire un stream aujourd'hui. Vous inquiétez pas, c'est normal. On va être là en mode chill. On va faire du Photoshop, tout simplement. On va faire un peu de création pour améliorer un peu, pour continuer la mise à jour de MXS Rank qui a lieu en ce moment même. Je devais créer des nouveaux grades, je vais en créer que deux nouveaux. Et je me dis, autant qu'à faire, autant refaire toutes les icônes, tous les nouveaux grades. Ça va changer un peu au moins. Ça fait un an, peut-être un peu moins d'un an. Ça fait combien de temps que je les ai mis, les grades? Je sais plus. On va regarder ça. J'ai mis un message ici. Alors, c'était le 13 février 2019. Bah oui, donc ça fait plus d'un an qu'ils y sont, ces grades-là. Et les icônes sont arrivées quand, les icônes? Page 2, maybe. Ouais, j'avais mis ça le 5 février 2019. Donc ça fait quasiment, ça fait plus d'un an en fait. Et ouais, je vais toutes les refaire, histoire de donner un peu d'âme au site, de changer un peu. Je travaille sur pas mal de choses en ce moment sur le site, je vais vous montrer un peu. C'est pour ça que le site est off pour vous, vous n'y avez pas accès à tout ça. Mais yo à tous, yo, tu sais rouler en vrai? Ouais, je sais rouler en vrai, ouais. Du coup, yo, Carl aussi, yo à tous ceux qui sont sur le live, ça fait plaisir, bienvenue. Je vais arrêter de faire les annonces YouTube, donc si jamais vous voulez vraiment ne pas rater mes lives, c'est maintenant qu'il faut follow. D'ailleurs, je vais le dire sur... Je vais rajouter mon petit message. Je crois qu'on peut éditer les messages YouTube. Votre chaîne. Communauté. Est-ce qu'on peut modifier le message? Modifier, oui. PS. J'arrête de faire des live annonces sur la chaîne YouTube. Donc si tu ne veux pas rater... Follow Twitch. Voilà, comme ça au moins c'est prévenu. Comme ça, ouais, j'arrête la live annonce sur YouTube. J'en ai marre de lancer de live, etc. C'est un galère. Je lance que Twitch maintenant, au moins comme ça c'est plus simple. Si jamais vous voulez bah, me follow sur Twitch et savoir quand je live, c'est plus simple, c'est follow Twitch. Tout simplement. Pourquoi ça fait comme ça? On peut pas faire de retour à la ligne sur ces trucs? Oui, voilà, on peut, c'est nickel. C'est du coup, salut à toi, Another Viewer, salut à toi, Calosil, salut à toi, Axel, salut Bleach, salut à toi, Jerem, salut à toi, Flizzard, salut à toi, Foursilk, salut à toi, Got, salut HRC, salut Infinity, salut à toi, Juliam, salut Josh, salut GameOp, salut à toi, La Zone, salut à toi, Léo Ryder, salut à toi, L'Inconnu, tout nu, salut à toi, Lolo, salut Luc, salut Matt, salut Nowhere, salut à toi, Oslo, salut Red, salut Ryderick, salut. Rimastino, salut Théo, salut The Bougre, salut Tom, salut Valvoln, salut à toi Virgo Pro, salut Zaranoff. Comme je vous disais au programme, on va faire les émotes, non pas les émotes du tout, non. On va faire les grades des MXS Rank aujourd'hui, puis ensuite on ira jouer. Je sais pas encore quel jeu qu'on aura fini. Perso, j'ai aucune notif de toi quand tu live, alors que Kevin, j'ai un mail carrément. Regarde dans tes, au niveau du follow quand t'es sur Twitch. Tu peux activer les notifications ou pas. En fait, je vais voir quelqu'un que je follow actuellement. Pam. Et en fait, quand tu cliques sur. T'as une petite cloche. Faut cliquer sur la petite cloche. Pour désactiver les notifications. Ou sinon, tu peux les activer. Normalement, c'est ça, la couille. Mais elle est activée. Vraiment bizarre à chercher. Vraiment bizarre. Je pourrais pas te dire. Après. Où c'est que ça pourrait être ce truc-là? Paramètres. Chaîne et vidéo. Non, je pense pas. Non, c'est pas du tout là. Notification. Paramètres notification. Sur Twitch. Par email. Non, je pourrais pas te dire. Aucune idée. Je n'ai aucune idée. Désolé. Faire de l'art, ouais, je vais faire du Photoshop. Yo Valout, yo à ceux qui arrivent sur le live, yo, yo. De toute façon, on va perdre plus de temps, hein. Bim, normalement, ma cam est peut-être un peu grosse. Se mettre par là, tranquillement. Je sais pas si... Non, j'ai pas allumé la lumière, juste...
ouvrir un peu plus l'appareil, genre à 5-6. Oh, on est bien là, voilà, nickel. Et ouais, donc en fait, le but est de refaire ces grades. Donc pas forcément garder les mêmes même concept, hein, c'était... En fait, c'est d'en faire toute ça, toutes les le unranked, novice, amateur, pro. Je pense qu'on va garder le même nom, sauf qu'entre deux, on rajoute master en dessous de légende et mythique au-dessus. Mais autant vous dire qu'il y a du boulot. J'ai pris forcément. Tu veux garder la base des masques ou pas? Absolument pas, Calosil. Absolument pas. J'ai envie de changer ça parce qu'en fait, le problème du masque c'était cool. Sauf que maintenant je veux ajouter des rangs et je suis bloqué. Je sais pas quoi rajouter sur le masque parce que ça faisait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, c'était cool. Le légende avec le fond, sauf que maintenant je vais avoir deux grades uniques. Donc le mythique et le master. Sauf que qu'est-ce que je rajoute dessus pour que ça fasse cool? Je sais pas, donc je pense qu'on partira sur autre chose. Comme je vous disais, j'avais pris des images que j'aimais bien. MXS Rank. Grade. C'est pour ça que je me dis autant les faire en live avec vous. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir me donner vos avis directement. Ouais, Shepan, c'est moi qui ai créé MXS Rank. C'est moi. Oui, j'avais pris des exemples ici. Bon, c'est clairement les exemples des jeux qui est en vrai actuellement, où il y a du Ranked. Et non, du coup, non, HRC, je garde pas le même go. Putain, je viens de finir la nouvelle mise à jour de Minecraft. Désolé, je dois quitter. Je crois que je vais revenir. Ça marche plus, y a pas de souci. Bon jeu. Tu peux garder les masques jusqu'à pro et après tu fais guidon ou casque. Ouais, mais ça fait différent. Tu vois, en fait, je me base beaucoup sur ce qui se fait actuellement dans les autres jeux. Genre Apex Legends. Tu vois, il y a toujours une question d'union entre les trucs. Entre, regarde, là, c'est toujours un rond avec la petite partie en bas. T'as toujours un petit côté famille, en fait. Là, c'est un jeu de baseball que j'avais trouvé pareil avec la batte de baseball et ça agrandit, ça fait vraiment légendaire à la fin pour le dernier. Fortnite, pareil, c'est des classiques, mais tu vois que ça fait une famille là, les casques sur League of Legends, pareil, ça fait famille. Rocket League, pareil, tu vois qu'il y a une union, même si ça change, mais ça reste des formes classiques. Passer d'un masque à un guidon, à un machin, à un truc, je trouve que ça fait trop. Bah, il manque une cohésion en fait dedans. Et oui, Shepan, je viens de te répondre que oui, c'est moi qui avais créé MXS Rank. Alors, les idées, c'est ça les idées que j'ai. J'aime beaucoup ceux de Valorant, ils sont vraiment sympas, en mode un peu minimaliste, un peu courbé, etc. Ça fait vraiment cool. Après, il y avait d'autres jeux hein, qui ont des grades comme ça. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup sur les jeux de tir et c'est les. Comment on appelle ça? C'est les écussons, quoi. Yo Ethan, yo, yo Isma, yo Ascarvio, yo yo Titi, hello à tous ceux. Du coup, ouais, c'est les écussons dans l'armée, du coup, c'est facile, mais. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui joue, oui. Inspire-toi de Monster Energy 1. Alors. Je l'ai plus, mais je crois qu'on peut le retrouver. Tu penses des succès, c'est ça, hein? Je pense que c'est tu parles des succès. Monster Energy premier du nom. Il y a quoi comme succès? Ils sont là. Voir les succès. Ouais, ça peut être sympa, un petit carré comme ça avec le nom. J'aime bien avec le nom. Je crois qu'on peut les avoir en plus gros si on va sur le site. Hein. Steam. Tu as fait un jeu qui a vraiment bien marché. Bien joué. Alors, je n'ai pas créé Mix Simulator. J'ai créé MXS Rank qui est le jeu, le serveur en fait. MX Simulator, je n'ai absolument pas créé MX Simulator, ce n'est pas moi. Moi, j'ai juste créé le serveur compétitif. Tu confonds là. Monster et énergie. Merde. Monster énergie. On veut le 1. On veut pas le son. On veut juste des succès. Je crois qu'on peut les avoir en plus gros là. Genre typiquement, j'aime bien l'idée. Bon, il pixelise du coup forcément. Mais j'aime bien l'idée avec marqué en gros, pourquoi pas. Sinon, je peux partir sur des casques, genre un casque bas de gamme, ranked.
Ouais, mais tu. Comment tu différencies vraiment les casques haut de gamme, bas de gamme, tu vois? Pas évident. Pourquoi pas faire une route motocross? Bah, est-ce qu'il y a vraiment utilité de faire un truc qui a un rapport avec le motocross? C'est pas du tout ça sur Valorant. C'est pas cela sur Valorant. Ils ont peut-être changé, hein. Mais je sais pas, moi je m'en. Ah, c'est peut-être cela? Non, c'est les mêmes. Ah, ceux-là. Ah, mais tais-toi, toi. Je m'en fous, moi. Crois que c'est ceux-là, plutôt? C'est plutôt ça. Hein. J'aime bien aussi l'idée que ça a construit le logo de Valorant. Enfin, c'est pas vraiment le logo de Valorant, mais je pensais que c'était le logo de Valorant. Non, Valorant, c'est juste ça les deux trucs. Ok. Toujours pas. Mais c'est quoi du coup? Genre là, j'ai 15 millions de sites qui disent la même chose. C'est cela? Peut-être. Je sais pas moi. Ah, old, new. Non, mais c'est une vidéo YouTube, je veux pas les nouveaux. Tu me masques sur un casque, ouais. Call of Duty Mobile, ils en ont des trucs comme ça? C'est ça? Ah, mais ça fait très armé avec le Phoenix. Ça va, il rouvre demain normalement. Ça fait très armé quand même, hein. On va pas copier, hein, c'est juste qu'on cherche de l'inspiration. Mais du coup, c'est quoi les New Rank Valorant? Parce que là, ils mettent tous le même. Hein. Ils mettent tous le même. Ah, c'est peut-être. Non, celui-là, c'est ce que je t'ai montré avant. Tu veux pas drop un lien avec elle aussi des grades Valorant? Parce que moi je trouve toujours la même chose en fait. Ouais, le serveur ouvre demain normalement parce que j'ai ça à finir en fait. J'ai ces icônes que je voudrais bah, sortir pour demain, pour la mise à jour. Et bah, voilà en fait, et je l'ai pas encore fini, donc je peux pas sortir la mise à jour. Mais sinon le site est quasiment prêt, comme je vous disais, il y a quelques mises à jour hein, sur le site. Donc maintenant vous avez Nico là-haut pour voir les changelogs quand vous cliquez dessus. Vous aurez accès au dernier changelog qui sera ici, toujours sur le Discord, mais ils seront aussi affichés ici. Et vous aurez une notification en mode pop-up si vous ne l'avez pas encore lu. Et elle passera normalement en gros. Tac, tac, tac. Et en gros, quand vous aurez déjà lu le changelog, ça sera comme ça. Voilà. Ça change juste un peu l'image. En fait, les deux que j'ai montrés sont faux, mais les autres sont bons. Comment ça, les deux que j'ai montrés sont faux et les deux. Genre celui-là, il est quoi lui? Mais c'est ce que je t'ai montré au début. Ah, c'est pas exactement les mêmes. Les couleurs sont pas les mêmes, ok. C'est une question de couleur en fait, ils ont changé les couleurs. C'est pas non plus. Puis ils ont rajouté Valorant au bout. Ils ont enlevé. Ah non, c'est pas. Tous les mêmes. Bon, on va enregistrer celle-là. C'est un détail, hein. De toute façon, c'est juste pour s'inspirer, on s'en fout d'avoir les vrais ou pas.
Ou sinon, notre idée, comme les coupes aux US, c'est beaucoup des plaques avec une moto et un logo Monster. Ah! Ah, j'aime l'idée de la plaque. Putain, j'y avais pas pensé. Genre, ouais, Dylan, il a gagné sa plaque là. Est-ce qu'on va se choper? Ça fait des petites plaques là, je vois de quoi tu parles. Ça peut être une putain de bonne idée. Et ça reste une référence avec le motocross. C'est ça? Ces plaques-là, c'est ça? Mais moi, là, celle que je vois, c'est la plaque. Plaque. Non. Comment je pourrais l'écrire? MXGP. Trophy. Moi, c'est la plaque. La petite plaque qu'on voit en MXGP là. MX1, MXGP machin. Je sais plus comment elle s'appelle. Ah, c'est celle-là. Oh, ça pixelise du coup, forcément. Ouais, c'est ça, c'est celle-là. Il y a peut-être moyen de faire un truc avec quelque chose. Partir. Ah, dommage, j'ai pas de cam en... pour faire des croquis. Ouais, il y a moyen, je pense, de. Mais la plaque. L'autre plaque m'inspirait plus que j'avais avant. Celle-là m'inspirait plus. Mais il y a moyen de faire un truc, je pense. J'avais pris quelle taille ceux-là? Je sais plus. Peu importe la taille, de toute façon. 500 par 500, c'était très bien. Genre, je serais parti sur une idée d'une plaque comme ça. Fenêtre, propriété. C'est pas là qu'on peut. Attendez, il faut que je ferme des pages, j'ai trop de pages ouvertes d'un coup. Pourquoi mon PC galère comme ça là? Je sais pas, c'est pas grave. Et je saurai à combien de Hello le grade. Ah bah, en fait, tous les grades vont changer, tous les niveaux de Hello vont changer. Parce que maintenant vous allez commencer à 0 de Hello. Ouais, ça, c'est cette idée-là en fait. Ouais, non, mais oui, il y a carrément de l'idée sur les plaques. Tais-toi. Et pourquoi il galère autant mon Photoshop? Tournez. C'est quoi qui me bouffe toute ma puissance là? Bah, franchement, je stream aussi, mais. Bon, il y a toujours Chrome, hein. Qui bouffe comme un taré. Ah, je sais, peut-être que je peux couper ça. Quitter. Ouais, ça doit être bon. Je serais parti sur une plaque comme ça, un peu en mode biscornu. Si on garde un ratio, genre 300 par 400. Ouais, mais du coup plus ici, hein. Genre des petites marques comme ça. Ouais, je prépare la nouvelle saison de MXS Rank. Et c'est une totale refonte, il y a plein de trucs qui changent. Enfin, plein de trucs. Pour vous, non, pas énormément de choses, mais change les grades, change pas mal de choses.
Et typiquement, du coup, ce qui fait qu'on pourrait partir sur. Ça, on s'en fout. Comment on dit épi de blé en anglais? C'est pas ce que je veux. Pour les grades, tu peux suivre le cheminement du genre MX1, MX. Les plaques ressemblent à quoi? Ouais, ils changent juste le truc dessus en fait. Sur une plaque à l'autre. Pour la corne de blé. Ah, merci. Ah, ouais, là, il y en a des cools. Bien sûr, c'est un premium. Là, il y en avait des cools. Genre, tu peux mettre un grand comme ça pour la première. Mettre un truc comme ça pour en dessous. Allez. Je pense qu'il faut reprendre ce schématique hein, sur dessus. Pour avoir un truc qui rend vraiment bien. Ça, si on regarde le MX. Ouais, il change juste le nom dessus. En gros, il n'y a pas de. Yo, Batista, yo! Et du coup. C'est via quoi que tu m'as envoyé? Freepik, je connaissais pas Freepik. Je sais ce que Flaticone, mais je pense que c'est la même chose. Hein. Et je peux trier par free, tu me disais? Filtre. Hein, c'est à droite. Gratuit. C'est que j'ai juste beaucoup trop d'icônes là-haut en fait. On va en enlever plein. Non, c'est Trat que je voulais. With Crown. Je suis graphiste. Besoin de... Bah écoute, si t'as des idées, le guise, je suis totalement preneur. Genre, oh, ils ont que. Y a rien sur Flaticone. Donc, c'était pas mal aussi. Hein. Oui, forcément, Crown, il va trouver ça. T'es pas mal ton site, je connaissais pas. Freepik. Non mais t'inquiète, je sais comment prendre les images sans payer hein, sur les sites. Genre j'aime bien. Ça c'est Adobe Stock, je crois que j'ai le droit à Adobe Stock. Genre typiquement, tu vois, tu peux mettre un comme ça pour. Un comme ça là, c'était stylé. Pour un grade genre légendaire. Sur mythique, tu mets ça pour un légende. Et il en faudrait un légèrement plus épuré pour master, ce serait nickel. Bah c'est parfait, puis ça rappelle tous les grades, tu vois. Puis je pense qu'on peut, hein, on peut réussir à incorporer les piles là-dessus en fait. On peut réussir à faire un truc cool. On va commencer par faire.
Dupliquer dans son titre. Pam. Si on regarde les autres images que j'avais. Du coup. On va commencer par le plus haut. Je pense que ça va être plus simple de commencer par le plus haut et de descendre que de faire l'inverse. Moi, clairement, je mettrais le nom en fait du grade dedans au milieu. Je sais pas, j'ai envie de. Il n'y a absolument pas avec des épis. Ah oui, là quand même, on en retrouve un peu. Ouais, on a ce qu'à faire ça, je pense, pour que ça se rank, je pense. Après, on peut les styliser un peu. Hein. Genre, je tente un truc. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer. Genre, imaginons. Oula. Pas du tout ce que je voulais faire. Imaginons que. Le truc booléen, je sais jamais où il est. Non, il peut pas dans le montage. Je sais jamais c'est quoi son nom au truc booléen. Pour la légende, je vais mettre ça. Qu'est-ce que t'es con, Kevin? Merde. Attendez. Composition du calque, non. Putain, je les trouve jamais. Ouais, je fais les nouveaux grades pour MXS Rank. Mais pourquoi c'est quoi ce truc déjà? Putain, c'est pas ça. C'est quoi ce nom à la con que je veux là? Ah, mais il est là en fait. Fenêtre. Enfin, je sais plus. Pathfinder, c'est ça, mais il y est pas là, le Pathfinder. Je sais plus. C'est le même nom du. C'est ce nom-là en fait que je cherche. Mais sur Photoshop. Il est dans le panneau layer. Non, tu peux avoir une fenêtre qui se met sur le côté, sur le teco. Yo Forax. Non, tu peux avoir cette fenêtre là, mais qui peut se mettre sur le côté.
Putain, mais... Toujours des trucs à la con comme ça que je trouve pas... Je sais pas, c'est qu'elle a un nom à la con. Belle moustache. Non mais je me rase, hein, vous savez. Hein. Je me rase tous les 3 jours. Oui, je peux faire... là. C'est ça que tu veux dire, hein? Mais même là, il me trouve pas quoi. Laisse pousser la moustache. Faire... Non, mais j'ai la barbe aussi, j'ai pas que la moustache. Hein. C'est le putain de truc que je veux là, le Pathfinder. C'est que sur... Non, je suis sûr qu'il y a sur Photoshop. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Excuse... Mais je... Là, j'avais un dent forme. Je l'ai là. Hein. Mais je sais qu'on pouvait le mettre sur le côté pour moi. Bon, c'est pas grave au pire. Hein. Non, ça marche même pas. C'est en fait ce que je veux hein, pour vous montrer, c'est récupérer que la partie là. Fenêtre, extension. Je l'ai pas mon Pathfinder là. Oh, faut que tu l'ajoutes, mais non, t'as pas besoin de l'ajouter. Puis on, attendez, on va tous les ouvrir. Je vais tout casser. Je suis en train de casser mon Photoshop. Non. Couche, non. Composition de calque. Non. Caractère. Non, c'est sûr que c'est pas ça. Calque. Non. Bon, c'est pas grave. C'est un détail. Mais pour moi, attends, mais est-ce qu'il... Attends, je l'avais il y a un instant un truc. Là, je l'ai là. Faut que je le mette au-dessus. Ouais, je peux faire un masque, oui. Je peux faire comme ça. Oui, je peux possiblement faire comme ça. Et l'idée, ça aurait été de... Je vais faire à l'arrache, hein. Allô? Pourquoi il déconne comme ça? Je... C'est pas grave. Ça, je l'aime pas, là. Ma solution, le masque, clairement. Ouais.
Oui, et... Désolé, je vous ai oublié. On va faire CTRL G du coup, là il veut bien, merci. L'effet, je le mets là, là. Du coup. Non, je veux l'inverse. On garde que ça. Sélection modifiée. On va le dilater, je sais pas, de 5. Ouais. Intervertir. Là, on est d'accord que normalement... Ouais, je peux. Voilà. Et ce que je voulais à la base, c'était aussi... Non. Parce qu'en fait, je veux ça moins celle-là. Ah, peut-être en faisant... Non, ça. Ah, voilà, c'est ça que je veux. Supprimer. Voilà. Et en gros, ça aurait été de faire... Pourquoi tu veux pas me le peindre, toi? Ah oui, ça marche, je suis con. Ça a été de faire l'épi ici en fait. Sur le bord. Ça aurait pu faire stylé, non? C'est bizarre que tu dis dilaté de 5. Oui. Ah non, non, j'ai la version officielle de Photoshop, hein. Je paye tous les mois mon Photoshop. Ça peut faire stylé toi, avec l'épi sur le côté là, un peu. C'est sur lequel que j'avais eu cette idée, du coup. Bien sûr, tout le monde dit ça. Bah, attends. Si tu veux, je trouve mon Creative Cloud. Hein. On t'adapte, c'est ça? Pour voir le truc? Je dois me connecter hein, pour qu'il puisse te l'ouvrir. Voilà. Je suis pas sûr que tout le monde ait ça, tu vois. Quand tu craques ton Photoshop. Après, je dis ça, je dis rien. Comme tu veux. Hein. Mais bon, le guise, je pense que. Je pense que tu me dois un sub maintenant. T'es obligé de passer par un sub maintenant. Ouais, ça peut, après, réussir à le faire, ça va être galère. Du coup, pour le faire vraiment, il faudra que je le duplique, que je supprime le masque, que je prenne lui, que j'intervertisse. Non, faut que je contracte. Ouais, mais du coup, j'ai pas la forme exacte que je veux. En fait, je veux découper juste la forme là. Bah, en gros, j'ai juste à faire ça. Sélection. Au pire, ouais. Intervertir. Voilà, et là, normalement. Oui. Le logo de lui. J'avoue qu'il y a. Ouais. C'est parce qu'il est rouge que tu dis ça. Merci Baptista, merci beaucoup. Comment je préfère cette couronne par contre? Sur le bord là. Je vais m'amuser à essayer de la réussir à la faire. Oui, en remplacement. J'ai amusé à essayer d'incruster le truc ici.
que ça fasse sympa, quoi. C'est une fucking bonne question. Oh, je sais pas, Batista. Je pourrais pas te dire combien de bits ça a donné. Je sais pas s'il y a une commande pour. I don't know. Chat commande. Je pense pas. Non, je pense pas. Je pourrais pas te dire. Je sais pas. Yo, super jockey. Yo. Putain, je suis content parce que. Je suis sûr que ça pourrait faire stylé ce que je veux faire. Mais je saurais pas le faire. Non, c'est contracté que je voulais faire. Enfin, je vois pas comment le faire sur le truc, quoi. Ouais, mais je crois que c'est que depuis un certain temps. Depuis le début. Attends, je regardais. Comment on peut changer ça? Paramètres. Chaîne. Je sais pas si je devrais vous montrer tout ça. C'est pas grave, c'est un détail. Modération peut-être plutôt. Non. Affilié? Je pense pas. Classement. Oui. Perpétuel. Et tu devrais l'avoir, je pense, du coup. Mais je sais pas si on peut faut enregistrer. Non, ça doit se mettre tout seul à jour. Voilà. Ah, c'est bon? Ah, peut-être actualiser le chat, peut-être. Ah oui! Bah, Batista, t'es loin du record. T'es loin de Rednax. Rednax, il y a 3657. Cal aussi, il a 3100. Et en top, GIF, c'est Alex Tex qui est cool. Puis bientôt, ce sera moi parce que je vais bientôt avoir un payeur Red Shadow. Sauf qu'après, il faut le remplir ce truc. Si on reprend l'idée qu'on avait aussi au début, qu'on aime bien. Non. Ça, faudrait que j'arrive à le faire en. En épi, en fait. Peut-être que dans ce que tu m'avais passé, il y a peut-être un truc qui pourra aller. C'est lequel normalement qu'on prend pour juste enlever le blanc.
À l'arrache. Je pense que ça va faire bien si je mets un truc comme ça sur le côté. Ça aurait été plus simple sans la ligne blanche. Trouver des formes qui vont dedans, ce serait plus simple. Ouais. Ouais. Mais je sais qu'il y a un truc à faire là. Il y a un truc à travailler ce côté-là. Travailler ce genre de choses et à vraiment trouver un truc qui rend bien quoi. Et après, pour le milieu, on peut partir un peu comme ils ont fait sur Valorant avec une forme au milieu. Toujours la même. Genre, si on reprend ça pour mettre au milieu. Sans ça. Si on la met en blanc. Ah non, on va faire autrement. Si je mets 50%. 40, ouais, 40%. Du coup, là, faut passer à 40. Pourquoi j'ai déjà plus l'image de... Oh, je fais de la merde avec mes trucs. Yo, Kaok, yo. Faut pas que je ferme mon truc, là. À ouvrir. Faut pas que je ferme cette image-là. Merci 50 bits, merci à toi. J'entends au taf. Bon courage à toi, bon courage Baptista, bon courage. Bah écoute, tu verras normalement demain le rendu final. Merci en tout cas d'être passé, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Si je fais juste des chevrons comme ça. Mince, c'est mis sur la même. Bien sûr, un truc bien chiant. À nouveau. Je pourrais mettre juste des chevrons comme ça en fait, ça pourrait faire stylé je pense. Mais qui font tout le long en fait. C'est master, le plus haut. Ça peut, mais ça correspond à quoi? Bah ça correspond à une version simplifiée de l'épi de maïs, quoi. Je sais pas, moi, tu m'en poses des questions. Est-ce que je te pose ce genre de questions? Déjà, ce qu'on peut faire, c'est essayer de choper le milieu de ça.
Ah, y'a que c'est ça le milieu. Essaye d'intégrer une avant d'une roue de crosse. Après, rien ne m'empêche de. D'intégrer des trucs dedans après, tu vois. Mince. C'est là que je vais. Pourquoi il voulait pas m'agrandir lui? Ah oui. On tente, de toute façon, qui ne tente rien à rien. Genre un truc dans le genre quoi. Non, non, j'ai pas fait de trank aujourd'hui. Mais ça fait un dé, j'ai l'impression. Avec le truc au milieu, ça fait un dé ou un O, ça fait bizarre. Si on courbe légèrement, pas casser cet effet. Mais ça. Ça empêche que je vais galérer à le décomposer dans d'autres grades, quoi. Ça fait pas. Légende. Enfin, j'ai du mal à voir le côté légende en fait qu'il y a autour. Tu vois, contrairement à des trucs. Là, tu vois que c'est vraiment des trucs épiques, quoi. Genre il flash. Après c'est dans les couleurs que j'ai pris hein. Déjà je pense qu'on. Déjà si je prends tout. Option. Lui va. Non, externe. Tu déconnes, toi. Merci, Adobe. Je sais pas si j'allais sauvegarder. Merci, Adobe. Merci beaucoup. Ça va, on n'est pas trop loin. T'aimes ça là, c'est merde, là. Si tu veux, on peut faire tout le live comme ça, hein. Y a pas de souci. Moi aussi, j'aime bien le genre de choses. Y a, tu vois, c'est sympa. Hein. C'est toujours rester calme face au logiciel de la suite Adobe parce que ils sont cool, ils font de l'IA, de l'intelligence artificielle, du deep learning et tout. Mais non, stabiliser leur logiciel, non, jamais. Quelle question. Pourquoi stabiliser le logiciel qui plante tout le temps? Tant que les gens achètent, c'est le principal, non? Si les gens achètent, on continue d'acheter, non?
Pourquoi on va se faire chier à corriger les bugs? Non, on laisse les bugs. Autant laisser les bugs. Hein. C'est très bien les bugs. Tout le monde aime les bugs. Qui n'aime pas les bugs? Pourquoi j'ai pas mon truc propriété? Fenêtre. Propriété, c'est ça que je voulais. On repasse à 40, ça va, j'étais pas trop avancé non plus dans le design. On n'a pas trop perdu les gens. Ça va. En fait, ce que je voulais faire à la base, c'est que si... on va sauvegarder avant, on sait jamais. Hein. Récupérer, non. Gène 2, deuxième génération. Oui, sauvegarde. Merci. En fait, ce que je voulais faire à la base, c'était de faire comme ça et rajouter une lueur externe. Non, oh, avec des plantes comme ça. C'est pas mal avec des plantes comme ça. Sinon, je blesse ma tête, mais sinon, je faisais juste que je rapproche mon micro à la base. Mais bon, c'est bon, on s'amuse suffisamment. À la base, je vais mettre une lueur externe. En rouge. Pourquoi il n'y a pas de lueur externe? Ah voilà, normal. Merci beaucoup Théo qui prend son troisième mois d'abonnement avec son Twitch Prime. Merci beaucoup. Merci beaucoup du soutien. Merci beaucoup à toi. Ça fait plaisir. Déjà en rajoutant un truc comme ça. Comme ça. Et lui, je pense que si on fait option. Vous allez voir, ça va déjà plus claquer. Pareil, lueur externe. Mais en blanc. Et au pire, on laisse comme ça. Ça a strictement aucune signification que ceux qui seront sur live sauront d'où ça vient, mais au pire, on laisse comme ça. Et il faut que j'inverse les couleurs. Sur ce dégradé. Fait comme pour R6. Et là, au lieu de partir en foncé, on part plutôt en clair. Le problème, c'est que mon site de base est clair. Hein. Je crois que R6, ils sont pas fait chier, je crois. De mémoire. Hein, je connaissais pas ceux de R6. Je peux les avoir en grand. Pour moi, c'était juste les pistolets, en fait. Pour moi, c'était ça en fait. Mais non, apparemment, ils sont tellement autrement. Non, moi, je veux ouvrir l'image dans un nouvel onglet. C'est même pas cela. De toute façon, pour faire un truc stylé, il faut toujours faire une petite lueur qui pète. Ouais, la première image, ouais, mais ça. Moi, fan, ça fait porte. Ça fait. J'ai l'impression que ça fait serviette qui est accrochée à un porte-manteau. Ouais, serviette de douche, on est d'accord que ça fait l'impression que t'as accroché ta serviette sur un porte-manteau et qu'elle pend, quoi. Ça fait vraiment celle-là, quoi, c'est vraiment ça.
Que tu sais, t'as mis ta serviette plus ton truc avec ton grade par-dessus. Mais oui, après, avec les numéros, on peut mettre les numéros dedans, quoi. Genre. C'est un cintre, c'est trop ça. Tu vois, si on tente de le. Donc lui, on va dire que c'est le mythique. Légende. Forcément la lueur externe. Je sais pas si on peut faire lueur externe qui prend la couleur du bordel. Un truc qui va pas. Dégradé, un truc qui va pas. Lui, il tire pas assez sur le blanc. Lui, on vient vers le clair. Il y a un truc que j'aime bien quand même là dans l'idée. Et genre après pour les autres grades en dessous, ce qu'on pourrait faire c'est on vire ça. Oui, un peu trop simple, mais il y a de l'idée, il y a de l'idée, il y a de l'idée. Toi, et après, tu fais un truc comme ça, quoi. Mais oui, c'est encore trop simple. On est d'accord que c'est encore trop simple. Là-dessus, je suis totalement d'accord, mais il y a de l'idée. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient voir la musique qui se diffuse, voilà. Si tu mets une couronne autour du 3. Comme ça, une couronne. Ah là, mettre une couronne de blé. Un truc comme ça.
Ça fait un peu Jules César. Ouais, bah de toute façon, les cornes, ouais. Mais ça me fait penser à un truc, mais je ne saurais pas dire quoi. C'est ça le problème. Ou sinon, si on veut vraiment. Attendez, si on veut vraiment détacher le truc. Un truc qui pète plus. Il y a peut-être moyen. En refoutant ça là. RDG, non, RGB c'est mieux. FD60. Pas du tout. Manque un 0. Non. Bah. En fait, ça ferait bien si je pouvais faire une lueur externe, mais avec en prenant en compte les couleurs de mon truc. Ouais, la couleur en bas, elle est pas folle non plus. Mais en fait, j'aurais voulu faire une lueur externe, mais en prenant en compte les couleurs, mais j'ai l'impression que ça marche pas. Enfin, Genre ma lecture externe, je peux pas juste lui dire de prendre la couleur du calque. Ah putain. Y a des gens qui sont pas cons. Heureusement que vous êtes là. Du coup, ça prend en compte forcément.
Là, ça marche mieux. Mais ça n'a pas fait ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire ce truc-là, là-dedans. Ouais, forcément, il y a de l'or qui ressort, mais... Ouais, mais du coup, ça me gêne ici. Yo, yo, Ascav, yo. Ouais, bah, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Attendez. Plus qu'on me le crie favor. Ouais, c'est ça avec un i. Je suis pas sûr qu'il y ait... Eh hey. Ah non, putain, j'étais déçu. J'ai vu des grands... Ah ouais. Mais non. Je vois un putain de designer qui va me les faire pour moi. Enfin, qui... Ah ouais, sur Fiverr on trouve de tout. Alors là on est sur le grade mythique. Non lui c'est légende comme ça. Je trouve que ça fait trop carte, ça va pas là. I'm not convaincu. Parce que le problème de ça c'est que tu peux pas rajouter un épi, ça va faire bizarre de, sur cela. Toi, pour le moment, je suis plus convaincu pour ce que j'avais fait avant, quoi. Je préférais. Non, pas du tout. Bureau. C'est assurant qu'il est là. Grade. Je trouve qu'il y a une meilleure cohésion là-dedans, en fait. Mais le problème de cela, c'est que... Je sais pas ajouter... Enfin, je sais pas que c'est pas... Je sais pas, c'est que je... J'ai pas idée pour ajouter deux grades quoi, mythique et master. Parce que j'aimais beaucoup l'idée des masques, c'était vraiment sympa, il y avait vraiment un côté atypique et qui rendait bien, qui rendait cool. Mais il y avait pas ce... Non mais tu vois je peux pas ajouter non plus genre de roll-off, de machin, de tear-off, de... Ça fait bizarre. Tu te compliques trop la vie, je trouve avec la couronne de blé, le logo, le numéro du rank au milieu. Le nom du rank en bas de la couronne et le logo MXS rank en bas à droite. Mais le problème c'est que Master t'as pas de numéro, tu vois. Sur un master t'as pas de numéro donc c'est compliqué, c'est fucking compliqué comme bordel. Mais je suis sûr que c'est pas grand chose qui manque hein, pour que ça rende vraiment cool. J'en suis sûr. Il y a une bonne idée là-dessus en fait, mais j'arrive pas à suffisamment la travailler. Casque. Non, je veux pas faire la casque, c'est trop cliché quoi.
Qu'est-ce que donner comme reçoivent les champions du SXUS? Déjà là, ce trait-là, cette virgule, faut qu'elle soit blanche. C'est sûr. Faut que ça pète. Ouais, oui, là je gomme, ouais. Non, c'est pas lui qui fait le cash. C'est lui. Ah, déjà, ça ressort plus, tu vois. C'est ça la question, c'est que j'ai pris les exemples des plus gros jeux hein, qui ont du ranked et t'as pas vraiment de référence à la guerre, t'as pas vraiment de référence à la guerre, là où t'as une référence à la golf, Fortnite, t'as aucune référence, League of Legends, t'as aucune référence. Donc est-ce que, même toi, Rocket League, y a aucune référence à un ballon? Donc, est-ce qu'il y a vraiment une obligation à mettre une référence au motocross, tu vois? T'as déjà le nom, NXS Rank. Puis là, en soi, on peut dire que ça fait référence à la plaque. Fortnite, ici? Bah, t'as le design graphique qui est dans l'univers, mais sinon, en soi, tu vois pas que c'est un jeu de tir, quoi. Mais c'est la patte graphique qui fait que c'est dans l'univers, on est d'accord. Après, si on reprend. J'aime bien avec l'idée du contour. Je pense qu'il y a peut-être moyen d'en. Essaye d'écrire le nom d'un des rangs en dessous du logo d'Instagram pour voir ce que ça donne. Là, ça sera le légende. Pourquoi tu ne l'as pas mis en blanc, toi? Forcément, faut remonter du coup. Mais attendez, j'ai une idée. J'avais une idée qui était plutôt cool. Faudrait que je prenne.
ça. En fait, c'est l'idée de reprendre un peu le côté transparent qu'il y a autour. J'aimais bien l'idée. Après, on peut plutôt faire comme ça. Jouer sur le contour. Non, ça va pas. Ça va pas du tout. Mais est-ce qu'on pourrait pas... En blanc, absence de contour. On duplique ça. Fusionner le groupe. Là, ça claque mieux, je trouve. Avec le fait que la lueur soit sur l'extérieur. Et pour que ça rende bien, faut que je supprime ça. On arrive à quelque chose là, genre. On arrive après une heure et demie, on commence à arriver à quelque chose. Mais c'est le truc que j'aime bien avec le design, c'est que tu pars dans un truc, tu reviens en arrière, tu machins, tu bidules, tu trucs, et finalement à la fin t'arrives à avoir un truc pas trop mal. Alors du coup. Donc j'augmente de 3%. Un peu trop 5. En 3 c'était bien. Donc je l'augmente de 3%, ça veut dire que les angles faut qu'ils passent à 103. Yo Babtou, yo. Un peu plus blanc le trait de droite. Ouais, lui, la virgule là. C'est la virgule qui parle. Ouais, justement, je voulais la mettre en plus blanc. Faire justement la petite virgule qui pète, quoi. Il y a toujours un petit truc qui pète dans ces grades là. Et je vais rajouter ça. Enfin, là, le trait, il est pas collé pareil en haut à droite. Faut que je le change, ça. P
fond, il suffirait que je fasse ça en dégradé. Je sais, la couleur ne va pas, hein, vous inquiétez pas. Genre un truc comme ça qui pète. Et là, ça peut vraiment faire vraiment bien, non? Je pense qu'il y a moyen d'avoir un... Je cherche juste un dégradé qui pète, je refais les couleurs après, hein, vous inquiétez pas. Yo, truc, truc. Même limite avec une couleur un peu qui contraste. Ça contraste un peu trop, on est d'accord, hein, mais. Je veux juste récupérer en fait le. Faut voir le violet qu'ils ont. On va y mettre un petit contour comme ça. Je sais voir en fait comment ils font pour que ça pète leur logo en fait. Mettre une lueur interne. Là et sur ma virgule là, j'ai mis une lueur interne. Mais en plus foncé. Non, faut pas que j'en mette un sur lui, ça va pas faire bien. Un, deux, trois, quatre, cinq. Non, pire. Quatre-vingt-quinze. Non, c'est trop. 97. 98. 98, c'est bien. Et ça veut dire que ça, je passe ça à 98. Pas lui dire qu'on veut juste l'ouvrir, le truc qui s'est ouvert. Ouais. Yo sop, yo. Ça fait plaisir de devoir passer là, alors que je suis pas de MotoGP. Ça fait plaisir. Comment on peut faire pour l'ouvrir ce truc là? Je veux pas qu'il soit fermé en fait mon... Forme. Bien.
pire, on peut faire à l'arrache. Voilà. Non mais c'est super dur de faire le logo MXS Rank. Je le kiffe, mais j'ai mis tellement longtemps à le faire. On vient quand même voir ce que ça fait de haut. Ça galère depuis 1h40 à essayer de faire... Je sais pas si t'as suivi un peu MXS Rank. Avec l'histoire des grades, etc. Je suis en train de les refaire pour la nouvelle saison. Et je galère. Je galère clairement. Merci Turl. Merci beaucoup. Logo MXS Rank plus lumineux. Déjà, on va sauvegarder ça avant que mon truc crache. Lueur externe. J'aime pas s'il est au milieu. Mais je pense. D'accord, qu'il me paraît pas au milieu. Quand il n'y a pas MXS qui sur MXS, il y a R à faire. C'est, tu sais que ça fait plaisir ce genre de compliment en Skyrim, c'est dire que mon site est devenu incontournable quoi, enfin mon serveur. Je suis à 147 de haut et en dessous. Ah non, je suis au centre. Hein. Mais c'est à cause de la virgule qui fait qu'on n'est pas au centre. Donc là, imaginons que là j'ai mon grade légende. Ça me dit genre pas comment faire le mythique. Faut que le mythique il pète encore plus quoi. Donc imaginons que ça c'est mon grade légende. Déjà mythique, moi je le veux en rouge. Oui, alors le mythique, oui, sera en rouge. C'est ce que je voulais de base, de toute façon. Mais faut rajouter un petit truc, quelque chose, un petit graphique dessus pour qu'il se fasse encore plus. Ou alors on garde le logo MXS Rank pour le grade mythique et sur le légende on met autre chose. Comme ça, ça fait vraiment le grade de MXS Rank. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Oh, pas mal l'URL externe. L'URL externe. Ah, ce qu'il faut mettre normal. What?
Sur notre serveur, il n'y aurait personne qui achèterait Mixing Simulator. Bravo ce que tu as fait, tu gères. Merci beaucoup, Granny, ça fait plaisir, merci. Et autre truc sur MXS, c'est juste qu'il faut avoir un minimum de level. Ouais, mais c'est pas n'importe quand, tu vois. Les autres trucs, c'était un soir dans la semaine, c'est pas. Pas genre tout de suite maintenant. T'as pas. Après, j'ai pas commencé MXS il y a longtemps, mais j'ai pas touché à MXS depuis qu'il n'y a pas MXS Rank. Je pense laisser comme ça pour légende et pour mythique rajouter un truc. Genre 2020 champion ou un truc. Ouais, c'est ça, il manque le petit truc qui fait que c'est bam, ça claque quoi. Quand tu vois la champion, c'est vraiment un truc qui claque. League of Legends, ça claque pas tant que ça non plus. Il y a toujours un truc en plus qui fait que là, genre le diamant, il claque quoi. Il faut faire un truc en plus. Il faut aussi remettre un truc en plus pour que ça claque plus quoi. C'est sûr. Il manque d'un truc qui fait que... Après, il y a pas la diversité. Le Valorant, ça marche parce que c'est ultra différent. Non, moi, j'en veux des coins pointus. Déjà pour les grades, ce que je pensais. C'était genre faire. Enfin, faut que j'arrive à la centrer, mais peu importe. Non, noir ça ressortait plus en fait. Alors je peux pas mettre d'année parce que ça se trouve en 2021 il y aura encore les mêmes, même logo, tu vois. Je suis pas déter au point de changer le logo tout le temps. À la base je devais changer une fois par saison, enfin pour toutes les saisons, mais j'ai pas eu la foi. Du coup, ça fait ta progression, t'as 1, 2, 3 quoi. Genre comme dans le 1. Tu saurais pas ajouter des trucs? What? Ah oui, là, ok. Ah oui, ça oui. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui l'a. Tu vois, ça marche si t'as avec une seule personne qui l'avait ce grade. Et on a quand même quelque chose là. Non, y a pas, Fisa, y a pas. C'est comme sur tous les genres en quête, t'as pas
qu'une seule personne qui a un truc. Après, oui, je peux décerner un titre de champion machin. C'est clair. Mais c'est pas prévu for now. Il y a quand même un truc, hein. On est d'accord qu'il y a quand même un truc. Oui, bah c'est ce que j'ai fait là, tu vois. Une, deux, trois. Et tu vois, là typiquement... Quoi ce truc? Ouais, non. Et là en fait faudrait enlever le logo MXS Rank. Si je reprends mon idée de l'étoile. Elle est où mon étoile? Elle est là. Incrustation couleur en blanc et mur externe. Non. J'ai ensuite fait un nouveau fichier, on va le faire en 2000 par 2000 pour le mettre côte à côte. Voir si la progression se tient. Mais j'ai l'impression qu'on tient un truc, hein. J'ai l'impression qu'on tient un truc après 2 heures de stream. C'est ça que je voulais faire avec vous en fait. Les deux là, on les duplique. Ah. Et au moins avec vous, c'est qu'on peut vraiment... pourquoi il m'image? Non, moi je veux en RVB. Au moins avec vous, c'est qu'on a... on n'a pas un seul cerveau à réfléchir dessus. Et là, on aura vraiment un truc unique, quoi. Pourquoi c'est aussi blanc? Attendez, un truc qui va pas. Fichier nouveau. Je veux pas un niveau de gris, je veux en RVB. 1000 par 1000. Au pire, je fais un CTRL-J. Fusionner le groupe. Fusionner le groupe. Au niveau de la progression, on a quelque chose. Ouais, faut que j'ajoute peut-être un effet glossy, ouais. Honnêtement, c'est ce que je... Là, il manque le liseré, c'est pas le même. J'ai supprimé tout ce que j'ai pas besoin là-dedans. Je vais faire un peu de nettoyage. Les gens, on enlève. Ouais, je veux bien ton site MXRide.
Ça fait quasi 2 heures que j'ai réfléchi aussi, mon cerveau commence à sécher. Mais il y a un truc. Le rouge, c'est le dernier grade, hein, c'est ça? Ouais. Mais justement, c'est pour ça, c'est le dernier grade dont t'as le droit au logo MXS Rank. Ah, y a quand même un. C'est fou comme on retrouve des ressemblances dans tout, quoi. C'est fou. Ça me faisait penser au Cartuno, moi. C'est dingue. Mais peu importe. On est d'accord que là, il y a de l'idée. Toi, genre, t'as légende, t'as ça. Mythique, t'as PAM, t'as le gros truc. Bam, 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 bam. Donc ça c'est le liseré, on va renommer, hein. Je sais pas si comme ça c'est pas grave. Ça c'est le logo. En plus Mythique t'as le M dans le nom. Ah ouais, c'est vrai. Tu me l'as envoyé. Non, envoyez-le directement dans le chat, MixRide, s'il te plaît. Et c'est ça que je veux prendre dans le légende. Pim, pim, pim. Voilà. Ah ok, c'est ça, c'est une image de Mena. Ouais, tu vois, je trouve qu'il pète pas assez tes trucs. Le doré, ouais. Mais je trouve que les images que j'ai là, tu vois. Genre, il pète le premier, quoi. Faut que j'arrive à faire un truc qui pète comme ça, quoi. Bah, c'est ce que je pensais, Fizan. Hein. Mettre une barre pour un 2 barres, 3 barres quoi. Et pourquoi pas jouer aussi avec les étoiles. Mais les étoiles, j'ai envie de les garder pour le dernier, tu vois, ça fait vraiment. Pam, t'as réussi quoi. Et pourquoi pas. Ah non, j'allais dire mettre une étoile là, mais non, ça fait beaucoup. Bon, déjà, faut que je. Donc, ça, c'est bon. On va le pixeliser. Voilà, et ça on l'envoie ici. Que ça fait plaisir à ceux qui restent. Merci à vous. Voilà, là il y a une cohésion. Tu sais pas faire un copier-coller de la couleur sur Photoshop, sur Word? Comment tu fais un copier-coller de la couleur sur. Je vois pas ce que tu veux dire. J'en ai plein, c'est devinard. Non mais après je vois comment faire les effets de toute façon mais c'est que des histoires histoire de lueur interne etc. Ouais je vais peut-être jouer après ça dépend quand on finit. Ah oui de toute façon je peux de toute façon regarde que je mette ça là. Bam. Je zoome dessus. Pipette. Et là, j'ai la couleur.
On peut essayer de faire genre de choses, hein, si tu veux. C'est ça que tu me disais. Faut savoir un truc qui pète plus. C'est ça que je vais bouger. Ça essaye de pimper ça. On peut pas fixer. Non. Je vais voir si on pouvait pas juste garder en fait ce qui est visible, ça. Maintenant. En fait, je vais juste garder la forme en virgule là. Non, faut pas de grosse config pigeon, il suffit juste que tu aies une carte graphique. Je trouve que ton dégradé fait format. Ouais, c'est ça, hein. Il manque d'un peps. On est bien d'accord. Après, c'est peut-être parce que je travaille sur un dégradé. Oui, non, mais il y a quand même une histoire de dégradé. Non, mais c'est autre chose. Parce que là, le problème de ça, c'est que le dégradé, je l'applique sur toute la surface et pas que sur le virgule. Si on part sur une couleur, des couleurs plus flashies, tu vois. J'en ai déjà, on va partir que sur un double dégradé. Il y avait quelque chose là, il y avait l'idée. Tout qui surchauffe. Baguette magique et tu fais clic droit et quelque part copier. Ah, j'ai bien celui d'avant. Surprise.
Ouais, je peux faire un. Non, je peux même pas, tu vois, avec le baguette magique, je peux pas le choper. Je peux pas le choper. Ah. Eh, je crois que je peux. Non, tu vois, je sélectionne toute la forme. Il me chope pas mon masque en fait. C'est ce que c'est le masque qui lui fait la virgule. Ah, il faudrait que je fasse comme ça. Comme ça, intervertir. Et là, paf. Et là, j'ai que la virgule. Et là, il faudrait que je joue sur, du coup, option. Tout le lieu interne, je pense. Ça passe du tout, tout, tout. Merci beaucoup Alex Taze, merci beaucoup pour ton troisième mois d'abonnement, merci beaucoup pour le soutien, merci, ça fait plaisir. Il me tarde que le serveur réouvre, ça fait 2 mois que je m'entraîne à fond. T'inquiète, ça va bientôt grainer. Merci beaucoup Alex Taze, merci beaucoup pour ton. Pour ton sub. C'est parce que les couleurs sont. Les deux couleurs sont trop proches, ça va pas, c'est pour ça. Enfin, limite reprendre cette couleur là en fait. Pourquoi il y a... ça m'a perdu mon truc? Je peux sauvegarder mon dégradé, je suis sûr que c'est ça. C'est couvert, il lui aime pas ça. Y a rien qui me transcende dans ce que tu m'as envoyé. Ouais, lui limite.
Ça, et en dessous, t'as l'effet. Et ça joue avec les biseaux, en fait. Enfin, ça... Ah, attends, c'est pas con d'utiliser les biseaux. Pas con du tout. J'avais pensé, tu vois. Et du coup, utiliser un biseau interne. Mettre les dents en blanc. Non, bisou interne que je veux. Attends, estampage. Pas du tout. Non, bisou interne, je dis. Fait, moi, je voudrais éclaircir toute cette partie-là. En haut. Mais je pense que le plus simple que j'ai à faire, c'est ça. Je vais le faire en deux. Je vais le faire après, une fois que j'aurai mis la couleur. Station couleur, on prend la couleur qui est là. Ok, je le duplique. Lui, je lui mets. De la lueur interne. Blanc normal. Genre c'est bizarre là. 7. Genre 6 c'est comme ça. 7 ça passe en full blanc. C'est trop bizarre. Oui, c'est après, t'inquiète, je vais baisser l'opacité, mais... Non, c'était un peu station couleur. J'arriverai pas à choper les deux en même temps, je pense pas avec ça. C'est bizarre, il déconne ce truc. Je pense que ta courbe de quoi? Ah oui. En utilisant les autres là. Non, c'est comme ça que je peux voir les autres.
Ah, celle-là, il y a l'idée. Faut que je maigris. Celle-là, il y a l'idée là. Peut-être dans les parties plus bas à droite. Ah! Genre là, je pars dans les rouges. C'est bizarre si tu pars dans les rouges. C'était une bonne idée, je t'avoue, pour faire un lien avec les autres. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois. Je trouve que ça fait bizarre. On va lui mettre un dégradé. Première couleur, on va mettre ça. Après, ça a bien marché parce que c'est des couleurs qui suivent, tu vois. Je pense que. Pareil, je suis trop dans les pastels. Je trouve que ça fait bizarre. Je sais pas. Je viens comme ça, moi. On va parler de où on était parti déjà. Ah, ça claque déjà plus, hein. Limite, celle-là, on pourra la garder pour le grade en dessous, quoi. Mais Mythique, j'y touche plus, hein. Pour moi, enfin, je vais travailler les étoiles, mais pour moi, Mythique, il est très bien. Ouais, ça va être pas mal avec tous les grades côte à côte.
Parce que limite, je peux le garder lui pour un peu un côté un peu bleuté pour Master. Je trouve qu'il y a une belle. Tu vois, si tu prends. Ça, je voulais. Je trouve que limite t'as une belle progression quoi là. Pas plus petit, je sais pas, je suis bizarre. Mais là faut enlever l'étoile au milieu. Et en gros du rouge en gold. Je suis pas sûr que ça. Putain, j'ai eu peur. Je n'avais pas le mythique, je me dis putain, il est où mon mythique? Il est là. J'ai eu peur. Ouais, mythique, on est d'accord, on n'y touche plus. Pour moi, je le trouve très bien mythique comme ça. Tu le ferais plus brillant? Ça veut dire qu'il faut que j'augmente la lueur externe. Pourquoi ça change pas? Ah, parce que je suis con. Je suis au bon endroit. Je saurais pas faire un rouge glossy en fait. J'essaie de faire mais. Et du coup là tu voudrais que je mette deux étoiles et une étoile? Pourquoi pas hein? On peut essayer directement là, en faisant directement là. Mythique. Je sais, il y a trop d'étoiles, hein. T'inquiète pas, je suis au courant. Non, c'est celle d'après qu'il faut que je modifie, celle-là.
Faut que je change l'étoile là. Mais ouais, on approche, on avance. T'as mis le logo en brillant. Mais je vois pas, j'ai peur de mettre. Si je mets une autre couleur, ça choque en fait. Hello everyone. Un effet glossy comme ça. Moi j'aime bien comme ça. Hein. Attendez, je vais leur. Et lui, du coup, on va le refaire vite fait. Ça va être rapide normalement. Je vais repartir du mythique. Pour faire le master. Sont trop bleus. Je me suis pas fait chier. Non, on va tout repartir du légende. À la limite, tu peux faire participer à la commu. Comment ça faire participer à la commu, Insider? Qu'est-ce que tu entends par là? Bon, en fait, là, j'aurais mis. Je suis content parce que ce qu'on a fait, ça ressemble à aucun des autres trucs que j'ai vu. Donc c'est qu'on a su s'inspirer sans copier. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Comment ça s'appelle? Comment il l'appelle ce truc-là? Leaf Crown Test, je vais essayer de trouver ça. Parce qu'en fait, ouais, je sais qu'il faut que je prenne un SVG, mais là, ça, c'est des trucs. C'est du Adobe Stock. Je crois que j'y ai accès normalement, mais. Je
Ah. Je n'ai pas trouvé ce que je veux. Bon, après, je vais juste vous montrer pour l'idée, de toute façon. Non, elle est pixelisée. Pour l'idée, c'était à la place de l'étoile. Je cherche une couronne de blé. Bon, un truc sympa, tu vas mettre au milieu, à la place du... place de l'étoile. C'est absolument illégal ce que je viens de faire. On s'en fiche. Ah, ouais. Je sais pas si ça va passer. J'aime bien l'idée de superposer les deux là. Elle fait trop tribal en fait, celle que tu m'as envoyée. Après, peut-être qu'elle peut mieux rentrer hein, vu qu'elle est plus. Ouais. D'ailleurs, tu sais pas comment... Moi, souvent, quand je fais un copier comme ça d'une image en PNG, sur Photoshop, ça me fout un vieux fond noir à la place du transparent. Tu sais s'il y a moyen de contourner ça? Parce qu'à chaque fois, du coup, je suis obligé de l'enregistrer sur mon PC, machin. Un peu galère. Enfin, j'ai ouvert Premiere, il va pas aimer. Oust. En soi, tu sais, si je mets juste ça, ça fait pas très couronne, mais. De mon navigateur et je la glisse, ça marche? Il veut pas me la glisser. Non, il veut pas. Non, toi, il me met interdit.
Bon, c'est pas grave au pire. J'aime bien aussi comme... Enfin, du coup, c'est pas les bonnes couleurs. Mais si on met les bonnes couleurs. Je suis dans master. Lieu interne, j'ai pas à changer norme. Ah oui. Non, on va d'abord faire le fond. On a dit qu'on voulait le tirer. Faire le bleu plutôt. Match bleu. Vert. Ouais, laissez-moi partir dans mon délire là. S'il vous plaît. Ok. T'as appris tout seul ce jeu? Ouais, Oslo, j'ai appris en manipulant. De toute façon, c'est comme ça que t'apprends. Hein. C'est en manipulant, 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 quoi. Pourquoi il y a deux virgules déjà? Ça sert à rien en dessous. Donc, celle-là, il faudrait. Taper dans le violet pour là plutôt taper dans le bleu. Et la lueur interne. Pourquoi ça fait autant, ça me fait la même chose que tout à l'heure? Est-ce qu'il faut le mettre en couleur? Je sais pas pourquoi en blanc il veut pas me prendre. Je mets en dessous en.
peu importe la couleur. Il me prend pas ma lueur externe. C'est pour ça. Mythique. Yo Elfritter, alors je peux te mettre modo, mais la condition sur mon live pour être modo, c'est qu'il faut donner au minimum 1000 euros. Solo qui a compris la ref. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que vous avez... J'ai pas parlé depuis une demi-heure là. Je vous ai endormi, clairement. Mais j'étais dans mon délire. Et là, c'est genre du pomper sur personne, quoi. J'ai peut-être peur que le petit coin là se voit mal en fait. Bah ça donne ça qu'elle oscille. Non mais c'est important de savoir ce que ça donne en dézoomant. Hein. C'est important. Parce que tu vas pas toujours les voir en très gros comme ça non plus les logos. Les grades. Faut juste que je rajoute les étoiles sur lui. No.
Je trouve que jusque là, c'est un peu clair, du coup on voit mal l'épi. Ouais, y a aucun lien avec la moto, mais est-ce que t'es censé avoir... C'est ça en fait, la grande question que je me pose au début, c'est... Est-ce que je suis forcé d'avoir un lien avec la moto? Parce que tu vois, Valerian, il n'y a aucun lien. League of Legends, il n'y a aucun lien. Ce que je dis au début du live, hein, tous les ranked que je connais, il n'y a aucun lien. Rainbow Six, il n'y a aucun lien. Rainbow Six, tu vois. C'est ça. C'est juste un logo de rank. Donc en soi, c'est limite jouer la facilité de mettre un lien en fait. Là, je suis content parce qu'on est vraiment, on crée un truc de A à Z, quoi. Rainbow Six. Rainbow Six. Alors, t'as Mythic. Je te les écris en dessous, si tu veux. Si j'avais écrit. Mais j'ai peur que lui on le voit pas assez. Faut que j'en travaille le dégradé là, il y a un de contraste. C'est ça les grades. Mais là j'ai un souci de contraste dans lui. Le haut est trop clair. Là, ça ressemble mieux déjà. Ce mec qui se dope au Photoshop. Et puis en jaune, je suis pas sûr que ça fasse bien. Il va y avoir un souci de couleur en fait. Je pense que tu le mets en une couleur. Il y a trop de couleurs en fait du coup dessus, ça va pas.
Alors, il faudrait. Mais non, ça va pas. Ouais, il y aura un patch notes, toutes les nouveautés. Il sera même sur le site. Il sera accessible. J'ai fait une nouvelle page sur le site d'MXS Rank. Quand tu cliqueras là, go to the change log. Et il sera directement sur le site maintenant. Ouais, j'ai changé les autres rangs aussi. J'ai tout changé. Donc autant vous dire qu'il y a du boulot. Mais non, mais. Attends, je vais la remettre comme j'ai mis avant. Pour pas tout casser. Voilà, comme ça. Moi j'aime bien comme ça. Et les autres, je vais juste mettre un dedans, 1, 2, 3 quoi. Et peut-être même 100. Non, je vais garder la virgule, mais je vais... ce truc beaucoup plus terne. Beaucoup plus. Sans l'effet de halo autour, vraiment beaucoup plus simple quoi. Et on garde le lien que. Je sais plus ce qui m'est proposé le lien où t'as le violet qui passe sur le violet et le rouge qui passe sur le rouge. Toi, par exemple, si on part sur c'était pro doré, ça de mémoire. En dessous, c'était pro. Heureux Baptiste, ah, regarde, on a bien avancé. Qu'est-ce que t'en penses? T'as pas vu l'avant le cheminement. Yo Mathéo, yo, ouais, c'est qui arrive. Sans pas tarder, on va aller jouer un peu, je pense. Chaud pour se changer un peu les idées. Puis je relancerai un live demain matin pour finir. Vas-y, je vais aux toilettes, je vous laisse voir me commenter ça. Et vous me donnez les pour et les contre de ce que vous aimez pas. Soyez vraiment sans langue de bois, enfin vraiment, dites-moi vraiment ce que vous pensez de ça. J'ai envie vraiment de vous retour, vous me dites ça, je vais aux toilettes et je reviens juste après.
Heureux. Et ouais, c'est l'avantage d'être à plein temps YouTube, enfin YouTube, Twitch, etc. C'est que bah, c'est demain, je peux lancer un live. J'ai plus vraiment d'obligation. Ce qu'on va faire, les gens. Non, on va se garder ça. Je voulais mettre un message sur Twitter, mais non, on va se garder ça en off. Entre nous, entre vous et moi. Et on continuera demain matin pour ceux qui s'intéressent. Je pense que demain matin, on ira faire les autres en dessous. Donc, pro 1, 2, 3, amateur 1, 2, 3. De toute façon, ça va aller vite les autres. Hein. Tant que quand j'aurai fait pro 1, 2, 3, ça va être juste la déclinaison et ça ira super vite. Mais je suis content parce que ça rend bien. Par contre, lui, j'ai l'impression qu'il a un halo bleu. Ça a pas. J'aime pas son halo. Ça me stressait qu'il soit en majuscule. Ouais, c'est un peu mieux. Je trouve que c'est une usine. Bah oui, quand tu l'attaques comme ça et que tu. Putain, j'ai pas vu que c'était. Quand t'attaques comme ça, ouais, et que t'as pas l'habitude, oui, c'est clairement une usine. Mais après, une fois que t'as pris l'habitude, ça va. Hein. Perso, je trouve que c'est lourd. Juste si Master est plus haut rank, il faudrait que ce soit lui avec le plus d'étoiles. Non, alors non, en fait, l'ordre des grades, c'est ça. Attends, que je... Je vais faire des groupes. C'est plus simple à déplacer. Quoi là-dedans? On s'en fout des étoiles. Le grade. L'ordre des grades. Putain, mec, voilà. L'ordre des grades, c'est ça. Lui, donc, c'est Master. Légende. C'est ça leur dégrade. Vers le haut, bien sûr. Donc tu passes Master, après tu passes Légende et enfin tu finis Mythique. Mais je suis content, on a vraiment, on s'est inspiré de certains trucs, mais on a vraiment rien copié quoi. Ça le plus dur quand tu t'inspires des trucs qui existent déjà, c'est que réussir à faire un truc nouveau sans copier quoi. Enfin, en t'inspirant, et là c'est vraiment purement ce qu'on a fait quoi. Et je vous avais dit qu'il y avait moyen de faire un truc avec cette petite virgule sur le côté. Il y avait carrément moyen de faire un truc. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre en pause là-dessus.
on va s'arrêter là-dessus. On va partir sur une MotoGP. Je voulais faire un peu de MotoGP à la base aujourd'hui. Mais on a déraillé sur 3 heures de stream sur du Photoshop. On va se faire encore une petite heure. J'ai le temps parce que ma compagne, ma copine rentre à 20h. Donc j'ai encore un peu de temps. Donc on va se faire du MotoGP. Clairement. Et pour changer un peu les idées, pour se vider la tête. Ou sinon. Ou on va sur du MotoGP. Ouais, du MotoGP. Non, ça on sauvegarde pas. Et on finira les autres grades demain en stream devant matin. Je pense que je vais lancer vers 9h. 9h, 9h30, je pense que je lancerai. Et on finira ça demain. Tout simplement. Voilà. Demain matin. Et moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais couper le stream et je vais le relancer. Alors, ça dépend de demain en fait. Si j'avance bien demain, il pourra ouvrir demain après-midi. Sinon, il ouvrira mercredi. En fait, je ne donne pas de date, comme ça, je ne mets pas le stress. J'avance à ma vitesse et. Ça passe bien. Yo, Alex Tex. Yo. Et comme ça, normalement, ça devrait rouvrir quoi. Non, normalement, c'est ce mardi, normalement. C'est cette semaine. Il rouvrira ouais, mardi ou mercredi. Mercredi soir, normalement, je vais streamer dessus. Donc, j'ai prévu de stream sur MXS Rank. Donc, en soi, normalement, il rouvre pour mercredi soir, au plus tard. Mais je vous donne pas de date, de toute façon, vous verrez bien, vous serez au courant quand il va rouvrir. J'ai encore quelques modifs à faire sur le site, à finir les grades. Mais ça avance bien, je suis content. Je suis plutôt content. Donc voilà, je vais couper le stream et je vais le relancer direct. C'est juste que pour les rediff Twitch, comme ça, vous aurez deux rediff Twitch séparés pour ceux qui veulent voir que la création et ceux qui veulent voir que le Moto GP, tout simplement. T'as bien raison, mais pas l'impression. C'est ça, puis vous n'êtes pas à deux jours près sur la saison, donc en soi, vous pouvez attendre un peu. Je relance mon stream et on se retrouve juste après.